tous, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du pied tombant. Les pieds tombants? Je connais les seins tombants, les paupières tombantes, mais les pieds tombants, je connais pas. Alors, je vais vous expliquer. Après une immobilisation de 9 mois, mon muscle du pied ne répond plus. Mais Pierre, bouge-toi, tu peux poser le pied par terre? Non, je ne peux plus. Et la question, comment faire mon premier pas sur la terre sans que cela soit difficile et douloureux? Mais merci à mon ergothérapeute. Elle a une idée de génie de me trouver une attelle qui relève le pied et avec, je fais d'énormes progrès. J'arrive à faire mes exercices qui étaient impossibles avant. Et le nouveau bébé va se faire ce premier pas? Oui, j'arrive à cette attelle, j'arrive un peu à marcher sans béquille. Marchera, tu feras avec cette attelle. Elle permet de mettre le pied dans une posture parfaite, car pour ma part, j'ai le pied en équin et pas dans un axe droit. Il faut s'y accrocher pour y arriver. Mais j'ai relevé le défi. Alors, je vais vous expliquer comment ça se met le releveur du pied. Alors, vous avez une petite sangle comme ça, un petit scratch, une petite sangle et un truc pour mettre sur votre cheville. Donc, au début, vous mettez ce petit côté ici qui est ouvert au niveau du talon. Faut stretcher au niveau d'ici. Vous avez deux petites languettes. Il doit être symétrique. Donc vous tournez un petit peu pour qu'elle soit symétrique. Vous prenez votre sangle. Faut passer au niveau ici. Alors au début vous vous mettez pas très fort hein. Voilà, comme ceci. Après vous prenez le petit scratch qui est ici. Alors vous avez deux côtés, mais en fait ce côté là doit être au dessus, il doit être au milieu. Donc, vous passez votre petit scratch ici, vous passez un niveau et vous le passez comme ça. Vous prenez le petit crochet, vous allez le pincer au niveau d'ici et là, vous tirez, pas comme des malades, hein, et vous clipez comme ça et qui permet de faire ce mouvement-là, d'avoir votre pied droit. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.